Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui chez Normandie Moto, la concession BMW à Saint-Jean-du-Cardonnet. Alors on dit Rouen, mais c'est Saint-Jean-du-Cardonnet, sur la zone là, la zone du village moto, là où vous avez maintenant plein de concessionnaires, des accessoiristes, restaurants, etc., etc. Bon, comme vous pouvez le constater dans cette magnifique cathédrale BMW, vous avez énormément forcément de motos d'occasion, de motos neuves, des accessoires, et puis forcément nos copains de l'atelier qui sont derrière, hein, qu'on a été voir tout à l'heure. On est ici aujourd'hui pour vous parler de la G310. Alors celle-ci est celle qu'on gardera chez Big Jim Event pour faire les roulages, la mettre en location et puis aussi les stages d'initiation au stunt, hein, pour que vous soyez toujours dans de bonnes conditions avec des motos neuves. Et puis celle qui est en gain dans le jeu avec la casquette, l'achat de la casquette est partie chez Detail Car pour une protection céramique et on vous a fait une petite vidéo là-dessus. En tout cas voilà, n'hésitez pas à jouer. On achète une casquette, on va sur le site, il y a le petit flash code, la moto va être baladée un petit peu partout, dans des galeries, etc. pour que vous puissiez l'avoir. Tentez votre chance pour l'achat d'une casquette qui arrive très bientôt à 25€, une moto avec un maximum d'accessoires aussi, puisque on va remercier forcément Coyote. Hein. Il y a une petite vidéo qui arrive aussi pour vous expliquer vraiment l'utilité du tracker. On remercie aussi, et encore une fois, un Baxter, les selles vont partir chez Baxter pour faire une petite protection et une surpiqûre sur la selle. On remercie aussi Aro pour l'échappement, EMC pour l'amortisseur, Continental pour les pneus. Voilà, c'est un peu la folie, tout le monde a joué le jeu et vraiment ça nous permet d'équiper une moto vraiment en full ops pour vous. Donc vraiment merci à Normandie Moto, merci à BMW France. Pensez à jouer, pensez à mettre des petits pouces bleus, à suivre la page et à suivre les activités pour toute cette saison 2023 qui va être la seule.